Bonjour à tous, bonjour à toutes. Aujourd'hui, on poursuit notre let's play d'Astérigos. Allez, on va essayer d'avancer un petit peu, j'allais dire, on va continuer, oui. Faut pas que je me trompe, faut pas que je saute comme un gland. Hop. Ouais, paf, et voilà. Pas comme ça, mais ouais, mais attendez, c'est normal. Il faut bien que je meure au début. Ça fait partie du truc. Ça me fait rire. On démarre fort. Et encore heureusement qu'ils ont changé le bouton de saut. Alors, ouais, par contre c'est ça. Ah oui, mais c'est pas eux, c'est... Je crois que c'était eux qui explosaient, mais non en fait. Ah si, c'est eux aussi. Ah d'accord. Donc je savais qu'ils explosaient. Enfin, je croyais qu'il y avait que eux, mais il y a aussi les minerais, effectivement. On l'avait vu la dernière fois, ça. J'ai pu les potions. Allez, on va regarder ça. Harold, are you sure you can do it on your own? Yes. I've seen what your legion can do. Indeed, you are powerful enough to take care of the threat on your own. There's only one thing that I must warn you about. I cannot enter the glittering deeps. So, there are places even you can't reach. Think of this body as a shadow of limited length. As a shadow, I can't be too far from the Nexus, nor can I appear in places filled with magical turbulence. Make sure you remember everything I've taught you. Your survival in the mine may depend on it. Understood. The mission is to find the Titan and get the spark. If things go south, just get back here as soon as you can. You seem reluctant to be out of contact. Why? I detest uncertainty and the loss of control. I hope you understand. And I hope you understand the Northwind Legion are not your soldiers. Of course. I admire your loyalty, Dunbari. It's why you've tolerated me. Set off now. Apis can't wait any longer. Ok, donc effectivement, le padre, il a l'air d'être parti de ce côté-là. On va passer par là. Et voir un peu ce qui se trame. Je sais pas trop ce qu'il y a là. Là on peut pas passer, pourquoi? Si on passe à travers. Well, this is the 17th expedition into the Stellar Mine. It's been 6 months since the last one. This time, we're going deeper, to research a way to repair the Nexus. Minerva wouldn't understand it if you write it down in the ancient script. I can write another one for her after we leave here. It's a rare chance we have to enter the deeps and study the ancient creatures that sleep here, along with the others. We have to be cautious. You mean the other scholars? Yes. But I still have a bad feeling about this. What is it? Just a bad feeling. You know the scholars are smart, very slow to act. I'm afraid they can't handle what's at stake. High instincts tell me that we have to seize this opportunity. This research is crucial.
Finally, Marissa will forgive us for coming back late. Are you sure you should keep this from Minerva? The adherents have helped us a lot. That's why we have to go it alone this time. The adherents already have a lot on their plate, and the outsiders who cooperate with the Gold Olive Phantom are enough trouble. What we should do is reduce her problems and complete our research as soon as possible. That's the best way to repay her. All right, my dear. That does make sense. Oui, alors c'est pas grand chose, mais c'est vrai que j'avais jamais fait attention au fait qu'elle suivait du regard quand même les conversations. Not many people would explore in this mine with just a pen and paper to take notes. I should probably bring this back to the shelter. This looks like a notebook, but the words are indecipherable. Is it a code or some ancient language? There might be someone I know who can read this. On est arrivé par là, là on fait quoi? On descend? Non, on remonte alors. On va débloquer très certainement un raccourci. Ici, ok. Est-ce que je les embête? On s'en fout hein, après tout. This armor looks very intricate. Doesn't seem like it belongs to an average soldier. Ouais, mais c'est stupide. Je peux pas me protéger, quoi. Bon. Le thème stupide est peut-être un peu élevé, mais c'est vrai que... il est logique, si on peut se faire attaquer, de pouvoir se protéger, sinon on se fait pas attaquer. Alors... voyons la suite, on va essayer de descendre un petit peu dans les mines. C'était par ici. Alors, il va falloir sauter, j'ai l'impression. Ça va être un truc où il va y avoir des petits sauts à faire un peu partout. Vérifier. This looks like the amulet that Shay wears. But the string snapped and the starite looks like it's been gnawed on by a wild animal. Judging by the damage, it probably doesn't work anymore. Partout, faudrait que j'évite de récupérer tout le monde moi. Oh, t'as fait ce bien toi, lui.
Tu encaisses très bien, monsieur. Trop bien, d'ailleurs. Est-ce que je partirais pas un peu en flamme? Essayer de descendre, hein, mais... Ça va, c'était pas très haut. Alors, c'est très joli, disons. Eh ben, c'est bien, les gars. Mal. C'est pourtant pas ce que je voulais, ça. Comment ça se fait que j'ai cette attaque là? C'est peut-être ce que ça fait en flamme, alors. Point de talent, permet de compétences. Ah non, c'est ça, c'est que ça doit, ça fait pas le même effet en flamme. Ok. Bon, les dagues, on s'en fout. Quoique, je devrais peut-être pas m'en foutre un des dagues aussi, parce que ça se trouve c'est très intéressant, j'en ai jamais utilisé. Peut-être une belle bêtise. Bon, en tous les cas, faut que je fasse attention, parce que... Quand il pop... Oh non, moi. Mais je l'avais pas signé sur le bon truc, c'est pour ça. Voilà pourquoi ça fonctionne pas. J'étais en train de me dire, tiens, c'est pas possible. Ça ne fonctionne pas. Bon, par contre, c'est très bien. Mais là, à moins que j'ai un moyen de le décaler. Non, j'ai pas possibilité là, je crois pas. Bon, je peux rien faire. C'est bizarre que ça fasse rien, ça. Non. Ah, quoique, si. Eh si. Je me doutais aussi. Alors, là, il n'y a rien. Là, je peux monter tout de même. On va regarder s'il n'y a pas un autre bloc comme celui-ci. Il faut que je regarde un peu mieux maintenant, parce que... Tout ça va booster mes armes. Que font-ils là tous les deux? Shay? Hilda, I'm so glad you came back for me. They saved old Whitebrow and me. Even though they're Ephesians, they seem to be good people. You can tell the difference? Of course, I can smell it. Nice to meet you, outsider. We are researchers from the Freethinkers. We follow Lord Petrius and strive to achieve our goals without doing harm to any living thing.
It's a little weird that you keep emphasizing that you don't do any harm. It's because there's a group of zealots, Visikoi, who frequently leave, bad impressions on people. There's no need to fear us, though. Please accept our help. In that case, do you know Tanrius? I represent Mistress Minerva of the Adherents. I need to find him. I just saw him not too long ago. I needed him to take a look at the results of my research. You sure that's all you needed? What else could I? He's a very important individual. An academic of his caliber is exceptionally rare in Aphis. They've set off to explore further into the deeps. I don't know their precise whereabouts, though, I'm afraid. Guess I have to go deeper. Let's take a break. There's obviously much that we can discuss. Bon, c'est pas très grave, ça va nous faire une pause, effectivement. Blanc sourcil est là. Une petite chose à voir ici ou pas, non? Non. Toi, je vais t'activer tout de même. Petit coffre, on prend. D'accord. On se retrouve avec un hub de nouveau. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Est-ce qu'il appelle ces recherches? C'est peut-être potentiellement dangereux, ces petites recherches-là. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah non, si, C'est en train de me voler mes trucs, hein. Ah, ok. Ça était en train de me manger, ma magie. Bon. I'm done with the camp. I plan to take a break, then head east to check on the ancient steeleys. I remember that a few of the ruins were only half excavated. There may be a chance to find some new written records. What about you? I'm going to the deeps. Atreus has been away for a long time. The deeps have become unapproachable due to Marvel's blockade. Now that we're finally able to get back down, I want to find his research records. The power of the Titan. Infinite energy. Don't forget how many people sacrificed themselves to suppress the Titan. Don't get too excited. Put yourself in danger. I'm looking forward to what I may find. If I can unlock the mystery of the Titan, maybe we'll be able to fix the Nexus problem as well. I'll return to the surface to meet Minerva after copying the records on the steelays. Take care of yourself. When will you come back? I'm not sure. The Trinity Knight will come in a year. I'll be back at least a month before then. See you then. Good luck. Best of luck to you too. Bon bah il est pas prêt à revenir hein, quand même. Et là il va falloir encore redescendre. C'est un dédale assez complexe. Est-ce que t'as des choses à dire, toi? What is it, child? J'aimerais savoir comment vous avez réussi à sauver Tarius et sa femme.
Selon vos dires, seul son avis concernant vos recherches vous intéresse. Mais je doute qu'il s'agisse de votre unique motivation. Vous feriez une excellente physique, quoi. Ces déterminations inébranlables qui vous poussent à découvrir la vérité feraient de vous un élève hors du commun. N'essayez pas de changer de sujet. Très bien, je vais vous le dire. Même si nos axes de recherche divergent, nous avons prévu de nous réunir à la mine pour nous aider mutuellement et approfondir nos travaux. Cette rencontre était donc prévue. Oui, mais comme il est en retard, nous avons supposé qu'il avait rencontré des problèmes en chemin. Heureusement, ils n'ont pas été victimes de ce brigand venu d'ailleurs. De ces brigands venus d'ailleurs. Après les avoir secourus, nous nous sommes aventurés plus profondément dans la mine et sommes arrivés jusqu'ici. À quand cela remonte-t-il? Je ne saurais le dire, mais si cette information m'est guère pertinente. How is he? I've just settled him down, but he's still unconscious and still mumbling stuff. That amulet I picked up? I think there must be starite here that can help hold White Prow. What kind of starite? I don't know. That's what I'm gonna find out. These voices! Poison! What do you want to ask? The scholars taught me how to use the starite in the glittering deeps to put old Whitebrow into a deep sleep. When he's better, I'll ask them if there's any way to remove the control of the voice. I'm heading deeper into the mine to locate Tanrius and his wife. Then I wish you the best of luck. I have to stay here and look after old Whitebrow. Sorry, I know you'll feel lonely without me. Ha ha. I have some good news, though. I found a lot of starites here. No idea what they do, though. Take a few with you. Who knows, they might come in handy. It may even feel as though I'm right there by your side. Not bad, huh? Très bien. On va pouvoir acheter des petites choses. Qu'est-ce que t'as d'autre ici, toi? Bon, c'est le même. Hein. Par contre, il a des concentrés de foudre. Donc on va commencer à peut-être... solvant d'astrolite. Très cher tout ça. No freebies, huh? Why do you need Stardust anyway? Freebies? Are you trying to take advantage of me? I've got my own reasons for collecting Stardust, and I'm charging you to give you peace of mind. You never cease to amaze me. You should have a look of admiration when you say that, not disdain. My underground. Bon, on va essayer de retourner là. Booster un peu mes petites armes. Oui, le refuge. Allez, X. Ouais, je pense que je vais certainement apprendre l'électricité dans pas longtemps, là, j'ai l'impression. Alors, est-ce que je peux renforcer les améliorations? Concentré de glace, il faudrait que j'en achète un. Deux concentrés astral. Thank you. How can this humble servant be of service, friend? C'est 13 000. J'ai pas assez pour deux, je vais plutôt prendre un concentré de glace alors. I look forward to your next visit, friend. Qu'est-ce que je peux vendre moi? Ah oui, tiens, c'est le casque aussi, je voulais voir.
À quoi le casque me servait? C'est pas un objet de quête. C'est bizarre. Oui, il me faut 7000. Eh ben oui, bien sûr, évidemment. Bon ben, une prochaine fois. C'est dommage. Pour l'instant, j'ai toujours qu'une seule musique. Voilà. Parler d'elle, discuter de sa position, des autres personnes en flux, sur autre chose. Non, bah tu vas lire, hein, je suis désolé. C'est une très bonne idée, mais je trouve qu'il n'y en a pas assez pour le moment. Alors je dois passer à côté, c'est évident, mais... C'est dommage. Bon. On va se faire un beau TP, et puis je vais arrêter la vidéo ici, hein. Allez. Ah oui, je comptais avoir une musique supplémentaire, je croyais que j'en avais récupéré une, mais non, hein. Je suis passé à côté. Oh bah... Ah bah t'es retombé, alors, blanc sourcil, tu as été victime d'un bug. Qu'est-ce qu'on avait là? Faut y aller aussi. Oui, bien écoutez, je vais donc vous laisser, vous souhaiter à toutes et à tous une très bonne et agréable journée, une bonne soirée et une bonne nuit, et je vous dis à bientôt. Bon, je fasse gaffe. C'est assez simple, alors on attend, ça va pas faire attention. Je pense qu'en peu de temps on peut mourir quand même. Tu balances des trucs toi. Thank you.
te fait rien du tout. Ah, il est bugué. Ouais, c'était rien du tout. On va rester là-dessus. Allez, je vous le dis à bientôt. Cette fois-ci, j'y vais. Mais je pense que... Et là, il y en a partout, je sais pas où aller. Je sais pas si je vais partir par là ou aller de l'autre côté, par là-bas. Ici, on va aller où ? D'accord. Mais non, mais là c'est... Effectivement, c'est là où on a été au départ. Ah, faut que je fasse gaffe à ça. Faut vraiment que je fasse gaffe. Allez, je vous dis à bientôt.